Donc, je vais vous présenter l'unité en quelques mots. Je laisserai ensuite la parole donc à Alexandre Tricheur qui a mené un projet donc accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine, ce qu'on a appelé la Trac aux innovations, qui a largement participé à ouvrir l'unité INRAE sur son territoire. Et donc, bon, il centrera son intervention sur les systèmes de culture en bio dans les marais. Alors, vous ne pouvez pas voir, mais dans la salle, on a une grande partie de l'équipe aussi de terrain de l'unité. Donc, je regarde Gilles Grandot, donc une stagiaire Alice Fouquet, j'essaie de Michel Prieur, Émilie Cadet et Christophe Lebellec, donc qui seront là pour la partie échange aussi, si vous avez des questions voilà, très concrètes. On a voulu, alors vous ne pouvez pas être présent sur place, on a quand même voulu vous montrer quelques images de notre site. Donc, on a prévu une petite vidéo. Alors, j'espère que ça va marcher. Donc, c'est 4-5 minutes hein, pour un petit peu vous situer les grandes thématiques et puis à quoi ressemble ben, le site, quoi. Alors, écran. Donc, application, c'est ça. Tac. Après, je ne sais pas s'il faut que je coupe mon micro, moi. Donc, voilà. Tac, là, il faut que je fasse ça. Voilà, j'espère que tout le monde, c'est bon pour tout le monde. Thank you.
Voilà. Donc voilà, pour avoir quand même quelques images du site. Alors, partager. Voilà la présentation. Voilà, donc du coup, si on passe à la présentation de l'unité, bon, un petit plan de situation, hein, on est donc situé au cœur des marais Rochefortais, de part et d'autre de la 2x2 voie qui relie Rochefort à La Rochelle. Donc, pardon, les travaux de l'unité, bien évidemment, s'inscrivent dans ce contexte particulier, où il est indispensable de concilier biodiversité remarquable inféodée à ces espaces de zones humides, les fonctionnalités de ces zones de marais et la conduite de l'exploitation en polyculture-élevage. Donc aujourd'hui, quand on parle de préservation de zones humides de marais sur le littoral, on parle de maintien des exploitations d'élevage comme corollaire. Au niveau de l'équipe sur l'unité, donc on voit ici, bon, rapidement, c'était juste pour mettre en évidence le côté pluridisciplinaire de l'équipe. On a une équipe qui s'est étoffée, donc avec des compétences croisées en agronomie, en biodiversité, en conduite d'élevage et puis en gestion de l'eau, parce que c'est là aussi un thème important. Voilà. Donc, une petite chronique donc historique de l'unité. Comme je l'ai dit, c'est une unité qui s'est installée donc en 1964. Historiquement, on était plutôt sur des questions de drainage, de mise en culture des marais. C'était les premiers travaux de l'unité. Très vite aussi, des questions de qualité de l'eau qui sont apparues, donc surtout sur les abattements de nitrates et pesticides. Des travaux aussi sur ces sols particuliers, ces sols de marais, avec des contextes de salinité, d'hydromorphie importants. Très vite, les questions d'écologie aussi sont apparues, avec notamment les questions de système de prairies et accueil de biodiversité, avec des liens sur l'efficacité des DMAE proposés à l'époque. Le troupeau s'est différencié. Enfin, on a eu un petit moment un élevage mixte en maraîchine. Alors, je me tourne vers mes collègues. C'était des charolaises au début. Donc, voilà, avec un troupeau mixte charolaise-maraîchine. Et puis, aujourd'hui, on est 100% en maraîchine. Voilà. Et donc, on va dire qu'on a deux phases un peu dans la vie scientifique de l'unité. Une phase jusqu'à 2009 où on était plutôt dans une logique de fonctionnement par équipe assez cloisonnée avec des expérimentations analytiques. Et on a un changement de système, on appelle ça l'expérimentation système qui est mis en place en 2009 et qui va s'appeler Transimarche et qui s'appelle d'ailleurs toujours Transimarche,
où là, en fait, on décloisonne les équipes pour travailler ensemble, pour concilier l'ensemble des enjeux. C'est-à-dire que l'expert analytique, on est sur une étude d'un mécanisme que l'on regarde, tout autre paramètre égal par ailleurs. Et à partir de 2009, on va observer le système évoluer avec l'ensemble de ces paramètres qui évoluent en même temps pour être vraiment en conditions réelles. En fait. Donc, Transimarche, on a trois phases, on va dire. On a une première phase de 2009 à 2017 où on va travailler principalement sur les questions d'autonomie fourragère, de baisse des intrants. On va aussi plus s'appuyer sur la valorisation de la biodiversité. Un tournant important donc, de 2017 à 2019 où c'est la conversion en bio, donc le passage en bio sur l'exploitation qui redonne une nouvelle dynamique collective. Et puis donc depuis 2019, on rentre dans ce qu'on appelle le système cible. Donc je vous en dirai quelques mots. On a aussi comment dire, aujourd'hui, sur le projet scientifique de l'unité, on est à la fois sur des questions sur l'unité et aussi on est intégré et partenaire dans des démarches multi-acteurs sur le territoire, comme par exemple sur Brouage ou bien avec un projet que l'on appelle le projet Maraîchine, qui fédère plusieurs secteurs de la façade atlantique. Et l'idée, c'est vraiment à chaque fois de porter des questions de recherche et de s'enrichir des questions de recherche des territoires qui sont sur des problématiques similaires. Donc cette troisième phase, on va dire, de Transimarche, je regarde, je vous en dirai deux mots, mais en gros, on va voir, on va rentrer dans une logique de résultat avec ce qu'on appelle, ce que je vous ai dit, le système cible, où on expérimente une démarche de co-conception collective. Bon, voilà, juste avant de détailler un peu cette dernière phase. Un petit zoom sur notre unité. Donc, on est sur un troupeau de 140 animaux donc maraîchers, une surface de 160 hectares au total, donc avec 100 hectares de prairies naturelles et puis 60 en culture drainée, pardon. Et puis, bah, comme je l'ai dit, une des enjeux forts en termes de conciliation d'enjeux, donc entre la biodiversité remarquable de ces zones humides. C'est les fonctionnalités des zones de marée et puis ben, cette gestion hydraulique qui est quand même prégnante et qui questionne pas mal sur l'interface avec la conduite de notre exploitation en polyculture élevage. Voilà, donc on verra, on a des questions d'eau, des questions de salinité, comme je l'ai déjà dit, qui sont largement prépondérantes. Notre système cible, pardon. Voilà, donc la troisième phase de notre stratégie donc de ce qu'on appelle donc Transimarche, qui est notre expérimentation système, c'est donc de se placer dans une logique de résultat. C'est-à-dire qu'en fait, on va se fixer ce qu'on appelle des services à rendre. Donc ici, on a les grands axes, hein, c'est-à-dire une grande biodiversité sauvage et domestique, une alimentation humaine de proximité avec un enjeu pour regagner en protéines végétales par rapport aux protéines animales, en s'appuyant notamment sur les circuits de commercialisation, pardon, en circuit court, l'atténuation du changement climatique et puis ben, un système viable que l'on peut, enfin, appropriable par les agriculteurs. Donc ça, c'est nos résultats. On va voir qu'on va le décliner en résultats chiffrés très, très, très concrets. L'idée, c'est au sein du collectif pouvoir suivre ces objectifs par l'intermédiaire d'un tableau de bord et d'un observatoire et se questionner assez au fil de l'eau sur l'atteinte de ces résultats et voir est-ce qu'il faut les adapter. Voilà, l'idée, c'est qu'on est en gestion adaptative, c'est-à-dire qu'on se laisse la marge de pouvoir revoir nos objectifs si jamais les objectifs initiaux n'étaient pas bien adaptés. Dans cette stratégie donc, que l'on n'a pas tout à fait finalisée, hein, aujourd'hui on est encore sur l'écriture de cette cible, mais pour autant on a quand même déjà des choses qui sont en cours, notamment par exemple un premier axe sur la diminution de l'effectif du troupeau. L'idée c'est vraiment de l'ajuster aux surfaces de prairies. Une augmentation des cultures de vente, donc notamment avec l'axe fort sur les protéines végétales, et puis donc une augmentation de la valorisation en vente directe. Voilà, avec
l'enjeu économique et puis aussi l'enjeu l'enjeu territorial sur ces ventes-là. Donc, et puis là, c'était juste un petit exemple avant de laisser la parole. Donc, sur quand je vous disais des objectifs très précis, si je prends là, c'est notre document de travail, mais si je prends par exemple l'axe biodiversité, on va se définir très précisément combien on veut accueillir de couples de tritons marbrés. Enfin, c'est vraiment, en fait, l'idée, c'est de voir est-ce que ça fonctionne, ce que l'on met en place, est-ce qu'on peut dire ou pas que l'on a réussi par rapport à nos objectifs. Voilà pour les grandes lignes, donc j'imagine qu'il y aura peut-être des questions. Céline, on enchaîne avec la présentation d'Alexandre sur système de culture. Ou... Ouais. Attends, comment on fait ça? Un départ de l'écran, en fait. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le chat hein, qui est disponible. Nous avons parmi les auditeurs aussi Thierry Mouchard qui est de Bio-Nouvelle-Aquitaine, qui a accompagné la conversion bio. Donc n'hésitez pas non plus aussi si vous avez des questions sur ces thématiques-là. Voilà. Et une information que j'ai oublié de vous dire au début, c'est qu'on enregistre les voix, pas les visages, ni les chats. Mais ce qui se dit, voilà, si ça ne vous pose pas de problème. Voilà. Du coup, je repasse la main. Voilà, donc bonjour à tous. Comme l'a dit Lilia, donc Alexandre Tricheur, donc je travaille comme ingénieur agronome sur l'unité. Donc je travaille étroitement avec Gilles Grandeau qui pilote le système de culture voilà à l'unité de Saint-Laurent-de-l'Apré. Donc juste un bref présentation du système de culture. Donc en fait dans tout ce que vient de vous présenter Lilia, donc dans ce système cible, il y a une partie vraiment système de culture. Donc avec des grands axes sur lesquels on a pris la direction de l'alimentation humaine. En fait, avant, la majorité des cultures étaient destinées à l'alimentation animale pour assurer l'autonomie du troupeau. Et en fait, aujourd'hui, on change un peu, donc on garde toujours ce volet de produire de l'alimentation en grains pour les animaux, mais aussi destiner la majorité de nos surfaces à l'alimentation humaine. Donc un autre axe qu'on fort, c'est l'utilisation de couverts végétaux. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez banal au vu de ce qui se fait aujourd'hui, mais dans les marais, il y a très peu de couverts qui sont implantés du fait des conditions d'implantation assez difficiles dans ces zones très argileuses. Et ensuite, l'idée c'était de produire un système donc des cultures à alimentation humaine, mais aussi avec un faible impact environnemental. Donc une consommation de fuel maximum de 90 litres hectare. Donc ça, comme disait Lilia, ça fait partie des services chiffrés. Donc là, on est vraiment dans une logique de résultat, un chiffre de 90 litres. L'autre axe fort, c'est pour concilier notre système de culture avec des enjeux de biodiversité. C'est une mosaïque de culture. Donc c'est-à-dire que produire de l'alimentation humaine, oui, mais pas produire 20 hectares de tournesol. C'est-à-dire avoir une mosaïque de culture avec des surfaces comprises entre 3 et 4 hectares pour justement favoriser une biodiversité sauvage et aussi domestique. Et également, on travaille sur de nouvelles techniques culturales, donc de nouvelles façons d'implanter les cultures dans leur ensemble. Donc le système pour construire ce nouveau système de culture, on a mobilisé avec un ingénieur qui est associé à notre expérimentation système, donc Raymond Rau, ce qu'on appelle des ateliers de co-conception innovante dans lequel on a fait participer des agriculteurs, donc partenaires de notre unité, dans lequel on a présenté les objectifs, donc les grandes lignes que je viens de vous présenter actuellement. Et on leur a dit, en fonction de ces grandes lignes, quel système de culture on met en face, donc c'est-à-dire quelle rotation, quelle culture, quelle technique. Donc il en est ressorti plusieurs choses. Donc voilà, donc ça c'est les trois grandes rotations expérimenté à Saint-Laurent, donc sachant que j'ai mis des cultures pour un peu imager, mais c'est plus des grands principes qui sont derrière.
Donc, il y a notamment une culture qui est issue de la conception des agriculteurs. Donc, c'est celle qu'on appelle la relègue. Donc, relègue pour la rotation avec majorité de légumineuses. Donc, qui se compose d'une culture fourragère à base de légumineuses, donc luzerne de 3 ans, suivie par une culture de haricots, céréales d'hiver, tournesol, une autre céréale d'hiver et ensuite finir par une lentille. Et donc ensuite, avec tout le travail qu'on a pu faire avec l'équipe, on a imaginé 2 autres rotations. Donc une rotation avec une tête d'assemblement qu'on appelle plus céréalière, avec une tête de rotation en blé, ensuite du maïs, du triticale, du chanvre et de la lentille. Donc encore une fois, c'est des cultures qui sont, ça peut bouger de... C'est pas encore figé dans le marbre, hein, c'est vraiment en expérimentation. Et l'année difficile qu'on a subie remet en question, par exemple, peut remettre en question pas mal de choses. Et ensuite, la Rolaga, donc on leur a donné des noms en fonction de leur objectif. Donc là, qui est plus pour l'alimentation en grains des animaux, on part sur de la luzerne, avec suivi de 2 céréales d'hiver, avec plus là des céréales dites population. Histoire voilà, de toujours viser l'autonomie en semences. Et donc, en fait, par rapport à ce système de culture, on travaille énormément avec Océalia, en fait, qui nous permet d'avoir un large panel de cultures. Donc, par exemple, cette année, on a testé plusieurs cultures jamais testées encore dans le marais, peut-être testées par d'autres agriculteurs. Donc voilà, donc on pourra en toucher de monde. On a notamment testé la culture du quinoa, du lin, de la lentille, du chanvre. Donc voilà. Et donc en fait, on travaille beaucoup avec Océalia qui nous permet dans cette transition agroécologique de disposer de plusieurs cultures qui, en fonction des années, on peut difficilement implanter. Voilà. Donc là, je vais passer la main à Pierre Tourneur du coup et à Didier Motion. Qui vous vont présenter un peu plus le Océalia et leur travail. Alors là, il faut que je leur passe la main. Donc voilà, je vous passe la main. C'est bon, vous m'entendez là? Oh, j'ai un beau moment, c'est ma glace. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, c'est bon. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc là, je vais vous présenter brièvement la filière bio, donc Océalia, qui est une filière assez récente. Hein. En gros, on a démarré dans les années 2012-2013, avec une petite collecte autour de à peine 1000 tonnes. 1000 tonnes en bio de collecte. Comment ça marche ? Donc là, je vais vous présenter l'équipe terrain. Hein. Aujourd'hui, donc, vous voyez, on est 6 personnes sur le terrain, dont 5 techniciens donc, dédiés au bio, avec une implantation. Ça fera peut-être le mieux. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Merde, comment on fait du tout? C'est bon. Hein, précédent, j'y vois rien. Appuie sur nom. Attends, précédent. Excusez-moi, là. Voilà. Notre implantation, on le sait, Bigère, j'ai quelque chose qui me masque une partie de l'écran, mais je ne sais pas si vous voyez bien, vous. Donc, l'implantation sur l'ensemble du territoire, hein, essentiellement 16, 17, 79, 86, 24, 80 et 87, et avec des extensions aujourd'hui sur le 23, voire le 19. Donc aujourd'hui, on a une 40aine de points de collecte de stockage répartis sur l'ensemble du territoire avec un maillage plus ou moins serré, bien sûr, en fonction des surfaces à collecter dans les différentes zones. Bon, pour vous dire, donc, la collecte a évolué fortement depuis ces dernières années. Ça s'est notamment ressenti à partir des années 2017-2018, où on a démarré avec 6 000 tonnes
6 000 tonnes et pour arriver donc en 2019 autour de 14 000 tonnes. Cette année, donc 2020, on collecte. Oh, c'est dommage que j'ai ça en face. Là. Comment on peut le gérer ? Quitter non, ben non. J'ai un problème là, j'ai quelque chose qui me masque mon écran, je ne vois pas. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. Excusez-moi, c'est que j'avais hein, quelque chose qui masquait la moitié de l'écran. Récolte 2020, donc la récolte qui est en train de se terminer là. Donc sur cette campagne, hein, on a collecté 35 productions différentes, plus 4 mélanges d'espèces, notamment des mélanges céréales protéagineux. La particularité de cette année, hein, c'est une faible, globalement une récolte d'été assez faible, avec un report assez important sur les récoltes d'automne du fait des problématiques de semis à l'automne 2019. Et globalement, une collecte quand même relativement en retrait, hein, très, très fortement portée sur les récoltes d'automne. On voit ici le niveau en maïs assez élevé par rapport aux récoltes d'été, où on est sur des niveaux en blé plutôt en retrait par rapport aux années passées. Et là, on va être globalement, on va dire, autour de 20 à 25% en dessous de nos prévisions. Ce qui fait qu'on devrait se maintenir à peu près au niveau où on était l'an passé, autour de 15 000 tonnes de collecte concernant Océalia. Parce qu'également, on ne peut pas parler d'Océalia sans parler d'Aquitabio. Hein. Donc, Aquitabio, qui est une structure SAS dédiée à la collecte uniquement et qui regroupe donc plusieurs coopératives, hein, 14 coopératives, Océalia étant la principale coopérative apporteur de cette structure, mais regroupe également d'autres structures de la zone comme Loulé, etc., Sèvres-et-Belle. Donc cette coopérative porte essentiellement un projet important de construction de silos qui est en cours d'ailleurs, qui devrait normalement être opérationnel à partir de la prochaine collecte d'été 2021. Donc culture collectée pour 2020, hein, ça reprend toutes les collectes que je vous ai présentées tout à l'heure. Hein, donc les principales céréales, protéagineux, légumineuses, oléagineux, donc dont le tournesol essentiellement, un tout petit peu de colza hein, en bio, même si c'est un peu compliqué, mais on en collecte un petit peu. Et puis les mélanges dont je vous parlais, donc essentiellement blé, févrole, critical pois, un petit peu d'orge pois et également l'anti-cameling couramment associé pour favoriser un peu la récolte. La récolte et la lutte contre les adventices dans la culture de lentilles. Des nouvelles cultures également, hein, quinoa, lin, haricots, chia, voilà. Donc l'objectif au niveau de la structure, et ça rejoint un peu le travail fait en agroécologie sur l'INRAE de Saint-Laurent, hein, notre objectif, c'est de remettre essentiellement de l'agronomie dans nos cultures. Donc, on travaille beaucoup, notamment les couverts interculture. On implante et on fait implanter régulièrement des intercultures longues, notamment à base de légumineuses. Et là, au mois de février dernier, là, on a fait une démonstration de destruction parce que ces couverts, il faut les valoriser. Donc là, vous avez un exemple de destruction et d'enfouissement avec un système rouleau hacheur Bonnel suivi d'un outil à disque carrier. La journée avait été également animée par Sébastien Minette hein, de la Chambre régionale là, qui nous a présenté sa méthode d'évaluation, là, la méthode MERCI, donc qui permet d'évaluer les restitutions pour les cultures suivantes. Donc, on pèse toutes les différentes espèces, hein, donc pour
vous signaler, vous le voyez sur les photos, que nos mélanges comportent un grand nombre d'espèces, avec notamment essentiellement des légumineuses. D'ailleurs, tout à l'heure, Alexandre parlait beaucoup de légumineuses en bio. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important dans la rotation, et ça le reste aussi également dans les couverts, avec pour objectif essentiel la restitution en azote permise par ces plantes-là. Donc l'intérêt de ces couverts, hein, ben c'est, moi j'ai noté ça, le retour de l'agronomie, c'est-à-dire un effet structurant sur les sols, et puis un effet intéressant sur la fertilité, hein, avec, vous voyez ici, les restitutions de ce couvert qu'on a mesuré là avec Sébastien. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez important, hein. C'est pas noté, mais la biomasse était autour de 4 tonnes 4 de biomasse, hein, début février 2020. Vous voyez, ce que cette biomasse permet, une restitution quand même non négligeable sur la culture suivante, de plus de 100 unités d'azote, autour de 50 de phosphore et près de pas loin de 200 unités de potasse. Donc grâce à quoi? Grâce à ce mélange que l'on a, nous, constitué au sein de Céalia, qu'on a nous-mêmes, je dirais, élaboré, hein, en y mettant pas mal d'espèces, essentiellement des légumineuses. Au Céalia, c'est également des sites d'expérimentation. C'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a encore deux plateformes sur notre zone, hein. Il y en a une en Vienne, à Civray, et une autre dans les Deux-Sèvres, à Villiers-sur-Chizé. Donc ça, c'est des choses que l'on suit là maintenant depuis 2013, hein. Donc on est rendu à environ 7-8 années où on implante régulièrement des plateformes, notamment dans le cadre du tronc commun ITAB, pour suivre l'évolution des variétés en blé tendre. Également, on suit également tout ce qui est fertilisation. On a même cette année des tests d'herbage mécanique. Et puis, on teste donc essentiellement sur ces plateformes toutes les espèces d'automne, hein, blé tendre essentiellement sur les variétés, mais également on regarde tout ce qui est triticale, orge éventuellement, voilà. et des espèces plus secondaires comme même éventuellement l'épeautre, le petit épeautre. Voilà, donc c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, pour faire évoluer la bio et d'avancer notamment sur des nouvelles variétés, parce que tous ces essais sont aussi dans le tronc commun ITAB national. Donc, ça permet également d'établir des synthèses et de voir émerger à travers ces différentes plateformes des nouvelles, notamment quelques nouvelles variétés valorisables en agriculture biologique. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'essentiel. Je voulais pas avoir une présentation trop chargée. Non, je vous laisse la parole et je laisse Soli. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pierre, est-ce que tu as des compléments à faire sur l'accompagnement de la ferme, avec le choix des cultures ou... Avec le micro. Ouais. Ça va là? Ouais, c'est mieux. Oui, donc pour en avoir un petit peu échangé avec Alexandre, ce qui a été assez bluffant en contexte de marais, on va dire, c'est la possibilité quand même de faire des cultures spécialisées, souvent sensibles à l'hydromorphie, quoi. Donc, en termes de marais, je pense que vous êtes pas mal exposés sur ce point-là, et on a vu des choses intéressantes avec quelques cultures qui, nous, par contre, dans des terres plutôt argileuses, nous causent souci, quoi. Donc il y a des pistes de réflexion à avoir, je pense, dans l'approche de vos rotations en marais avec ces cultures spécialisées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la conversion, sur l'exploitation? N'hésitez pas, vous pouvez parler en enlevant le micro, c'est mieux. Et c'est Didier là qui parle, Didier Motion. Juste Alexandre, peut-être un petit mot
tu peux peut-être nous parler un peu comment ça s'est passé sur ces nouvelles cultures, ou un peu ce que vous avez, les observations que vous avez pu faire dans les conditions qui sont les vôtres, hein, qui sont donc ces conditions de marée à planche là, voir un peu ce que ça a donné chez vous. Bon, vas-y, réponds à la question pour que tu vas se collectiver. En gros, sur les cultures qu'on a essayées, déjà c'est la première année qu'on essaye, hein, donc c'est loin d'être des conclusions que j'ai dans le marbre qu'on va présenter. On a eu une bonne surprise sur donc la lentille, donc en fait qu'on a associé à de la cameline, donc on a eu des grosses intempéries, je pense comme un peu tout le monde au printemps. Donc la cameline, on n'a jamais vu la cameline. Donc la lentille, ce qu'on a pu observer, bon bah qu'on savait un peu déjà, c'est au niveau son effet couvrant assez limité. Donc c'est-à-dire qu'on a eu quand même pas mal d'adventices, mais au final on a eu un rendement de l'ordre de 20 quintaux. Donc c'est sur qu'un hectare et c'est sur qu'un essai, hein, donc c'est à relativiser, c'est trop tôt pour pouvoir dire si la lentille est la culture parfaite en marais. Mais voilà, en tout cas un rendement de 20 quintaux hectare. Donc c'est vrai une culture qui était qui avait des adventices, mais qui n'a pas pénalisé, on va dire, le rendement. Ce qu'on a observé sur la lentille, c'est une culture qui a tout de suite démarré très très vite, qui a couvert le sol très rapidement. Et donc, satisfaisant encore au printemps, une culture à démarrage très très rapide. Donc ensuite, sur les autres essais, on a essayé du quinoa, donc là en culture binée, donc on a semé à 32 cm. Donc là, ce qu'on a pu observer, c'est peut-être un léger, quand même un déficit en azote, donc ce qui l'a empêché de mal démarrer, qui s'est fait un peu aussi gagner par les mauvaises herbes. Donc voilà, donc c'est une culture sur laquelle on doit encore travailler, je pense, mais qui est loin d'être impossible en bio, sur terre de marais, au contraire. Ensuite, on a essayé le lin. Donc le lin, là, pour le coup, c'est un effet vraiment surprenant sur les adventices, donc quasiment très peu de mauvaises herbes. Hein, il y en avait, on ne va pas dire qu'il n'y en avait pas, mais très très peu de mauvaises herbes. Un rendement assez aléatoire, encore une fois trop tôt pour pouvoir conclure, hein. C'est qu'une année de recul pour l'instant, en tout cas pour nous. Dans les autres cultures testées, on a également essayé donc la culture du chanvre, donc qui lui a un peu souffert de l'hydromorphie et qu'on a pu récolter, qui est pas monté très haut, mais au final c'est quelque chose qui nous a quand même qui nous a aidé, on va dire, pour la récolte. Le fait qu'il soit pas trop haut nous a permis de bien le récolter. Et ensuite, dans la dernière culture, on a essayé également le millet. Donc le millet, pareil, pouvoir couvrant très 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 important. Donc voilà. Après, globalement, ce qu'on a retiré de ces cultures, c'est que y a toute une réflexion à faire sur l'apport azoté. Il y a des cultures qui ont des bons potentiels, mais il faut des apports azotés assez importants pour pouvoir espérer avoir de bons rendements. Après, on réfléchit aussi sur des implantations un peu différentes. Donc voilà pour les premières cultures qu'on a testées, donc grâce à Océalia, voilà à l'offre qu'ils ont pu nous fournir, et aussi en coopération avec eux, hein, ces cultures-là. Donc pour l'instant, plutôt des retours positifs. Et voilà, et à contrario, on a des cultures aussi peut-être un peu plus… Par exemple, on va dire la culture du maïs qui quand même cumule des points négatifs pour nous dans un système en marais et en agriculture biologique. Voilà. Donc, Après, si je peux rebondir un petit peu sur ce dont parlait Alexandre… Didier a oublié de préciser, mais sur la plateforme de sur Chizier, justement, on est en train de mettre en place cette année un pôle expérimental un peu plus large qu'en temps normal. C'est-à-dire que plutôt que de se concentrer sur les serres à la paille, on va plutôt mettre l'accent justement sur les cultures spécialisées, c'est-à-dire celles qui sont plus délicates à amener à leur terme, en fait. Dans l'ordre, on sera sur du quinoa, du chia, chanvre, lentilles cameline. Tout ce qui aujourd'hui on a la possibilité de mettre en production en lien avec des marchés sûrs. Voilà, c'est toujours la particularité sur le pôle expérimental, c'est qu'effectivement il faut qu'on teste des productions qui ont aujourd'hui des valeurs marchandes et un marché à mettre en face, quoi. Voilà.
Voilà. Donc il y avait la question de Thierry, donc quelle culture d'automne sur des terrains avec risque d'inondation d'hiver? Donc Pierre, ouais, t'as mis triticale, seigle et grand épeautre. Et effectivement, c'est les cultures qu'on a implantées en partie cette année. Sur les risques d'inondation, c'est compliqué à l'automne. Encore une fois, on a un automne comme l'année dernière assez compliqué, assez aléatoire. Donc, on a des pluies qui arrivent de plus en plus tôt. Donc, les conditions d'implantation sont difficiles. Donc, il faut des cultures qui résistent bien à l'hydromorphie. Après, il y a un gros travail aussi sur le qui est fait par Gilles sur tout ce qui est le travail du sol, c'est-à-dire que avec l'arrivée de Gilles, on est vraiment reparti. Il est reparti plutôt sur une logique de préserver le sol. C'est-à-dire que c'est un sol qui est très sensible au tassement. Donc, si on veut éviter ces problèmes d'hydromorphie, la base, c'est d'abord que le système de drainage fonctionne correctement. Et ensuite, c'est d'éviter tous ces tassements qu'on peut faire par des travaux du sol, notamment dans de bonnes conditions, des conditions d'implantation pareilles au bon moment. Et donc, voilà. Donc, il y a des cultures, certes, qui tolèrent plus ou moins l'hydromorphie, ça c'est sûr, mais il y a aussi toute une réflexion à avoir sur la préservation en fait, des sols de marée, où il y a une autre réflexion à avoir à ce niveau-là. Voilà. Donc, en fait, vous êtes parti plutôt sur une approche TCS, du coup, en termes de technique culturelle, quoi. Alors, je sais pas si on peut vraiment dire TCS. Oui, non, pour l'instant, il n'y a pas vraiment une logique TCS d'appliquer. C'est surtout, c'est minimiser le travail du sol. Ou en tout cas, le travail du sol qu'on va effectuer, l'optimiser au maximum. Donc, c'est-à-dire éviter de passer 36 fois des outils lourds qui demandent de la puissance, mais plutôt partir sur des outils plus efficaces. Et qui nécessite donc moins de passage. Thierry demande si vous maintenez le labour. Et donc le labour, on se l'interdit pas. Hein. On a il y a cette année, on a labouré une parcelle dans le sec avec lesquelles on a eu un très bon résultat. Donc quand on dit labour, hein, c'est pas du labour à 30 cm, c'est voilà, aux alentours de 15-20 cm maximum, grand maximum. L'avantage du labour, c'est qu'on a fait un labour et ensuite on a eu les pluies de l'été qui ont permis de nous avoir une bonne structure de sol pour pouvoir implanter un blé. Et donc là, c'est vrai que le labour nous a permis peut-être d'économiser certains passages du sol. Donc on s'interdit pas le labour dans certains cas. C'est vraiment en fonction de l'année. C'est en ça que je disais, voilà, pour Pierre, on n'est pas parti complètement dans une logique de TCS à 100%. Et voilà. Ouais, c'est donc en gros, ouais, le labour vient, on va dire pour pallier à des problématiques souvent climatiques, quoi, comme l'an passé. On a eu des grosses pluviométries et où on allait chercher la terre essuyée pour pouvoir implanter, quoi. Oui, c'est ça. Puis il peut aussi gérer des problèmes, des fois de mauvaises herbes, hein, de pression adventice peut-être un peu forte. Voilà, repartir sur un labour, notamment pour enfouir aussi du compost. Après, voilà, là, on fait aussi avec le matériel qui est à notre disposition. Hein, donc, vous le savez, ce n'est pas toujours facile en fonction des années, mais il faudrait avoir une panoplie énorme de matériel pour pouvoir. Donc, voilà, donc cette année, c'est vrai qu'on a passé une parcelle en labour et on est plutôt satisfait du résultat. Est-ce que vous avez. Charrue des chemeuses, non, on n'a pas testé. Non, on a été. Comment ? On avait une en démonstration la semaine dernière, justement, là, chez nos agriculteurs. Là. Moi, j'ai vu en gros un labour sans les rasettes, en fait. Quoi. Bien cher pour ce que c'était. Quoi. Enfin, honnêtement, je trouve pas ça bien révolutionnaire et assez onéreux. Voilà. Donc sur le désherbage, pour resituer un peu, pour parler sur le réalisez-vous du désherbage mécanique sur céréales d'automne, question de Stéphane. Du coup, nous, on est sur terre argileuse, hein, entre le mois de novembre
et le mois entre début mars, on ne peut pas intervenir sur les parcelles. Donc en fait, le désherbage mécanique sur Cérol d'automne, on n'en fait pas, sauf cas exceptionnel d'une année, mais c'est vraiment très minime. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on cherche surtout des cultures d'automne qui s'implantent très rapidement et avec un pouvoir couvrant très très fort, comme du seigle ou du grand épeautre ou même du triticale. Taux d'argile dans vos sols, on a entre 50 et 60% d'argile, voire des parcelles peut-être à 65% d'argile. Donc, voilà, des taux d'argile très très forts. C'est pas mal. C'est un bon pays bas. Donc oui, donc, on est vraiment dans un milieu très très particulier. Hein. C'est pas forcément, voilà, pas forcément comparable à d'autres ou à des terres de bois. Alexandre, c'est des zones qu'on peut retrouver, mais pas avec les mêmes conditions d'humidité de sol que vous avez et forcément de profondeur de sol que vous avez dans le Marais, mais tu retrouves ça dans le Pays-Bas de Cognac. Tu as des zones à plus de 50% d'argile, mais après, le sous-sol est différent. Parce que le sous-sol, tu vas très vite arriver dans de la roche-mer calcaire. Donc, il n'y a pas forcément la profondeur que vous avez, vous, dans le marais, quoi. Mais on trouve des sols de ce type-là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, c'est vrai, où on cultive dans des zones à plus de 50% d'argile, quoi. C'est un peu compliqué. Un portique de sol, quel couvert et quelle destruction en culture de printemps ? Comment valorisez-vous les fumiers cheptels dans votre sol? Il faut avoir des couverts peut-être qui apportent de la dot, mais il faut avoir surtout des couverts qui structurent le sol. Il faut avoir des plantes qui ont des pivots et qui descendent en profondeur. On ne travaillera plus avec du mal à la mécanisation, mais il faut travailler avec des plantes. Tout le monde entend? Oui. Voilà. Entièrement d'accord avec Gilles. C'est Gilles qui parle? Pour détruire, on n'avait pas beaucoup de moyens pour détruire au printemps cette année. On a passé avec des outils en faible profondeur, avec des pattes d'oie, pour se calmer au maximum. Mais on avait broyé avant. Il y a d'autres moyens, on va essayer de tester ça si on peut l'année prochaine. C'est de s'équiper ou d'emprunter des styles rotomateurs hein, qui travaillent vraiment superficiel pour... Ça devrait nous couvrir le passage du broyage et le premier passage du travail du sol. Ça nous fait vraiment un mélange en scalpant tout vraiment à 2-3 cm. Il ne faut pas travailler en profondeur pour détruire un couvert. Ça, je voudrais bien qu'on essaye ça dans ces sols-là. On devrait pouvoir faire en un seul passage comme l'équivalent de ce qu'on a fait en 2 voire 3 passages. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas forcément sur des approches totalement TCS, mais c'est trouver plutôt du matériel plus efficace qui va nous réduire le nombre de passages d'intervention. Des fraises. Comment ? Vous travaillez sur une fraise ? Le style rotalabour, mais superficiel, quoi. Des fraises rotatives, là, qui ont l'air de faire du travail qui correspond un peu à ce qu'on recherche. C'est un genre de rotalabour. Des fraises, il y a une question de Thierry sur comment valorisez-vous les fumées du cheptel dans votre assolement. Donc, je laisse la parole. Pour valoriser le fumier, c'est soit on apporte à avoir une culture d'hiver. Pour mieux le valoriser, moi, je pense qu'il faudrait qu'on essaie que du colza. Moi, j'ai travaillé pas mal avant sur du colza. On va pouvoir valoriser mieux un fumier avec du colza. Et bon, après, faut voir. Et du coup, le colza, dans ces sols-là, on aurait une implantation plus tôt. Et on serait peut-être arrivé à une implantation dans de bonnes conditions. On valorise aussi le fumier avant un couvert. Un couvert est capable de nous valoriser un fumier. On va limiter le lessivage par les temps, en fait, qu'on attend dessus. C'est vrai qu'on a tendance à oublier sur les intercultures que... Enfin, pour nous, c'est vraiment même si c'est pas une culture de vente, c'est une culture à part entière qui nous rend des services. Et donc, dans cette logique-là, il faut soigner le semis. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on entend souvent dire, bon, l'interculture, je la sème à la va-vite et puis à fras.
Et en fait, non, si on en attend vraiment des rôles très très précis, c'est une culture comme les autres, et soigner son implantation et tout son cycle comme une culture, on va dire, de vente. Hein. Alors, Alexandre, je confirme tout à fait ce que tu dis. Et nous, aujourd'hui, dans les conseils, on considère effectivement l'interculture comme une culture principale et avec des techniques de semis tout à fait comparables. En gros, on conseille le semis en ligne, voire le semis direct, type orche, SD et autres, mais avec un semis en ligne, avec une profondeur de semis maîtrisée, on va dire. Voilà. Pour assurer les bonnes levées et avoir une bonne implantation qui permettra aux plantes que l'on a mis en place de faire leur travail à la fois sur la structure, sur les reliquats pour la culture suivante, etc. Mais effectivement, la fumure de fond sur les couverts végétaux longue durée en vue d'implanter une culture de printemps sur mai, on a tendance, nous, à la faire apporter sur le couvert végétal dès l'automne, quoi. Un interculture, il faut le soigner comme une culture. Il ne faut pas le prendre à l'improviste, c'est une culture. Elle est même plus compliquée, l'interculture est bientôt plus compliquée à implanter parce qu'on n'est plus dans le même créneau de date qu'une culture principale. C'est Didier. Ouais, je pense que aussi le problème aussi dans vos types de sol, on parlait d'argile tout à l'heure, donc vous avez des agrégats quand même assez gros. Et bon, quand on sème, le souci, c'est de semer des petites graines dans ces conditions, notamment en été, quand c'est relativement sec. Là, on peut avoir des petites graines qui descendent un peu profondément et qui, en fin de compte, risquent de ne pas lever. Quoi. Je pense que là, il faut être peut-être assez attentif par rapport à ça. Alors, comment régler le problème, je ne sais pas. Peut-être retasser le terrain avant de semer, mais trouver une solution comme ça. Quand on fait des mélanges grosses graines, petites graines, on passe deux fois. Pour l'instant, ce qu'on fait, on passe en deux fois. On fait la grosse graine, on tasse, ou on roule, et on resserre la petite graine et on reroule. Gilles, si tu as une solution pour t'approcher du micro, on t'entend, t'es à peine perceptible, t'es à peine audible. Ah ouais, mettez-vous en mode Starsky Hutch, là. Un peu comme vous, quoi, en fait. Ah, c'est ça. Du coup, il y avait une question donc de Stéphane sur la rotation, l'aigle, donc luzerne après lentille. Comment est semée la luzerne après la lentille ou possible, sous couvert? Donc en fait, juste une petite précision sur les rotations qui ont été présentées. Hein, c'est comme on disait, c'est à l'horizon 2025. Donc pour l'instant, on a implanté des luzernes, mais pas forcément après lentille. Vu que la lentille, on l'a testée que pour l'instant sur une petite surface. Donc c'est vraiment des rotations qu'on entame. Donc on n'est pas encore arrivé au bout. Et sinon, sur le semis de la luzerne, pareil. Là, je laisse la parole à Gilles. Ben, on a semé de la luzerne cette année, on aurait peut-être pu la semer plus tôt. Il y a eu de la pluie au 15 août, on a loupé peut-être un peu le coche. Bon, le 15 août, c'est propice un peu à la pause de tout le monde, donc c'est pas facile de mettre des cultures en place. On a pour exemple, moi ce qui me faisait peur de semer de la luzerne si tôt, c'est des coups de sec après. Elle germe et elle sèche. Entre autres, on a vu des parcelles dans la région, c'est ce qui s'est passé. Nous, on l'a semé début septembre, derrière des orges de printemps. On a des repousses un peu d'orge de printemps dedans qui nous protègent, je trouve, aujourd'hui, notre luzerne. Luzerne est bien partie. Et le peu d'orge qu'on a dedans protège, étouffe des mauvaises herbes. Et on est parti luzerne seule, hein, à la base. Hein. Mais on a des repousses. Bon, on a des mauvaises herbes dedans, bien sûr, comme toute luzerne qu'on implante à l'automne. Mais on a de l'orge dedans qui nous arrange un peu la situation. Et aujourd'hui, là, vous en êtes où par rapport au semis d'automne, là, dans les conditions de l'année qui sont quand même, on va dire, plus favorables que l'an passé?
On est en journée de la bio, en visio toute la journée, enfin toute l'après-midi. Mais ça tombe bien, il a plu 15 mm hier. C'est ça, ouais, bah, nous, on est à peu près tout pareil. Était bien calculé. Non, on est 50%, grosso modo, on a des intercultures qu'on voulait faire derrière du tournesol. Ça aurait peut-être pu se faire, mais faudrait, on n'a pas trop de matos. J'aurais voulu trouver un matos l'équivalent de semer en même temps qu'une air citrique, quoi, de passer l'air citrique pour faire un semis vraiment superficiel de petites graines. Ça, on ne l'a pas. On a préféré faire d'autres cultures. Donc, on a des intercultures qui ne sont pas semées derrière du tournesol. On voulait tester un peu ça. On a du tournesol qu'on a récolté tard aussi cette année, vu qu'on l'a semé tard. Et on a des cultures de vente, entre autres du seigle, de l'épeautre, de l'orge, du blé qui sont semés. Et on n'a pas semé les métailles. Les métailles pour de la bouffe à vache qui ne sont pas semées. On a des parcelles derrière du maïs, on était presque prêt, un peu humide, un peu ouais, ça aurait peut-être été chaud pour passer, sans labour, hein. On était avec des outils à dents, là, c'était pas trop, trop mal. Un peu frais pour passer, on n'a pas passé. Puis là, 15 mm, on est tranquille encore pour 15 jours. Quoi. Et les couverts que tu avais prévu de faire derrière les tournesols, tu étais parti sur quoi là? Un mélange, la facélie, ça fait trop tard pour moi, mais on va peut-être tester. On voulait mettre du radis, la navette. Ouais. Voilà, toujours, on est toujours sur cette base d'avoir des plantes, mais je trouve. Alors, il faudrait qu'il soit semé, il faudrait qu'il soit parti. On en a semé, nous, derrière du. Au mois de septembre, là, on a semé pois, févrole, radis, trèfle, du trèfle. Dans l'idée, derrière le trèfle, peut-être pas le détruire. Un trèfle blanc. Mais voilà, c'est des couverts. Il faudrait qu'il soit semé, il faudrait qu'il soit levé, il faudrait qu'il soit parti. Bon, ici, il n'y a pas de froid. Voilà, mais c'est pas facile. On récolte du tournesol et encore, on s'en est pas trop mal tiré parce que vu la date de semis, il y a quand même des tournesols qui ont été récoltés la semaine dernière chez des voisins. Hein. Voilà, ça passe, c'est chaud, chaud, chaud pour passer. Hein. Oui, là c'est temps quand même. Mais par rapport au semis des couverts, Gilles, nous ça a commencé tôt, si tu veux, on va dire les premiers ont dû être semés vers le 15-20 août. Bon, je ne parle pas de ceux qui ont semé derrière la machine, mais bon, en interculture longue vers le 15-20 août. Et les derniers se sont terminés, là, il y a, je dirais, une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines. Ce qui est surprenant, même les derniers semis, mais vu les conditions d'empérature qu'on a, on a des levées qui sont impeccables, même mieux des fois qu'en semis précoce. Alors après, il faut voir comment ça va évoluer, hein, en termes d'implantation. Par contre, sur les semis, on va dire jusqu'à mi-septembre, on a des développements vraiment importants. On a aujourd'hui des radis qui font 80 cm de haut, qui sont à fleurs, voire avec des gousses porteurs de graines, quoi. On a des choses qui sont des radis qui font entre 8 et 10 cm de diamètre déjà. Sur des combien d'azote de avant le semis, là? Pardon? Combien de points d'azote avant le semis? Pour qu'il soit aussi développé, il y avait de l'azote dans le sol, là. Oui, ben là, on est sur des rotations derrière des céréales. Après, on a des situations où, ce que disait Pierre tout à l'heure, il y a des gens qui ont fertilisé déjà aussi dans les couverts. On a des gens qui ont déjà mis le foyer, qui ont mis des composts aussi dans les couverts, ce qui a pu, favoriser un petit peu le développement du couvert. On a certainement des reliquats d'azote. Et puis, je pense qu'on a… On a des conditions favorables, si tu veux, avec les températures et quand même l'eau présente. Oui, oui. On a des conditions favorables à une nitrification aussi. Et bon, suivant les sols, certainement des reliquats d'azote conséquents. Hein. Bon, moi, j'ai vu ça notamment derrière du maïs. Pourtant, bon, c'est pas forcément et une culture. Après, on a élaboré un petit couvert relais là, qui est basé avec trèfle, moa. Et radis fourragés qu'on fait entre deux pailles, par exemple. Et souvent, on voit que la légumineuse qu'on a dans nos associations céréales protéagineuses, en termes d'implantation, est quand même une facilitatrice pour nos couverts végétaux relais. Et oui, en restitution azotée, on estime qu'avec 30-40 unités, on peut partir sur une implantation de couverts relais sans trop de soucis, en vue d'implanter à l'automne ou sur février, mars. Quoi. Derrière du maïs, vous implantez des couverts derrière du maïs? État structural, avant l'implantation du couvert, il était comment? Dans l'optique d'implanter un couvert derrière maïs? Parce que nous, on a derrière les maïs, nous, c'est la catastrophe. Des sols qui se,
qui ne sèchent pas. On a des parcelles qui sont voisines, précédant tournesol, précédant maïs, c'est la nuit et le jour. Derrière le tournesol, ça se défait tout seul. On y a été la semaine dernière, derrière le maïs. Derrière, excuse-moi, j'ai dit derrière maïs, c'est que ma langue a fourché, c'est derrière céréales, pardon. Ah ouais, donc c'est pas pareil. L'implantation de couvert, c'est derrière céréales, pardon, excuse-moi. Par contre, derrière, on avait fait du millet, on a essayé de travailler un peu. Là, c'est la même problématique. Le sol se tient, il ne sèche pas. Les graminées, ça se racine en surface. Ça a du mal à sécher par la suite. C'est exactement le même problème. Moi, je l'ai vu dans d'autres types de sols avec des intercultures d'avoine. L'interculture d'avoine, ça tient la terre. Il y a un système racinaire en surface, ça ne sèche pas. Et nous, actuellement, dans nos parcelles, derrière millet, derrière maïs, on est dans cette situation-là. Maïs, il y avait du maïs, il y avait peut-être plus de mauvaises herbes qu'ailleurs. Mais déjà, dans la culture, ça ne sèche pas. Et depuis que c'est récolté, ça se tient, ça a du mal. Hein. Ben là, si on fait quand même quelques implantations derrière maïs en couvert végétaux. Bon, là, on n'est pas sur une implantation fine comme l'itinéraire qu'on pouvait annoncer tout à l'heure, où on est quasiment dans une implantation une céréale. Mais là, on est plutôt dans une implantation un petit peu opportuniste, donc avec un outil à disque en superficiel, mais sans rappui du semis. Donc là, on va rester quand même sur des graines relativement grossières, type couvert fait avec févrole fermière. Avoine rude et un petit peu de radis. Quand on en a, on met un petit peu de trèfle aussi. Mais effectivement, dans ce genre d'itinéraire-là, les petites graines, peu ou pas de chance de s'implanter en bonnes conditions. Quoi, effectivement. Je pense qu'on est plutôt, nous, dans l'optique, alors, sur les couverts longue durée comme ça, type d'arbre maïs pour implanter un autre maïs ou un tournesol, on va venir implanter les grosses graines en premier temps, donc à l'automne, qui auront quand même tendance à lever, même dans une préparation assez grossière. Et après, pourquoi pas venir étoffer ce couvert-là, sorti du verre, avec des petites graines, avec des sursemis, comme tu parlais tout à l'heure, avec une implantation en RC-tree, ou carrément, j'ai envie de dire, à l'épandeur centrifuge, avec un coup de rouleau, quoi. Il y a une question sur les métailles, hein, le type de métaille fourragée pour les vaches. Le type de récolte, c'est de l'ensilage ou de l'urbanage. On change de réponse. Ouais, normalement, on faisait de l'urbanage auparavant, et là, on a décidé d'arrêter. Donc, on va être autonome pour l'alimentation du troupeau en foin, et le métail serait uniquement pour engraisser les animaux. Donc là, on travaille en collaboration avec les céréales, parce que le métail, il faut qu'il soit éventuellement à deux fins. C'est-à-dire, si on a suffisamment de fourrage, on le vend. Et si on n'a pas de fourrage, on le garde. Donc, normalement, le métail, c'est plutôt… on aimerait, nous, à l'élevage, on aimerait triticale poids. Pour les cultures, il faudrait mettre de la févrole pour la structure du sol. Donc, on essaie de faire un deal entre nous et puis… Et puis ça avance comme ça. Ça fait partie de notre système CIP. C'est voilà qu'on Lilia parlait de tout à l'heure de l'interdiscipline. C'est-à-dire que voilà, dans ce système CIP, il y a des compromis à trouver. Et là, par exemple, sur les métailles, voilà, on est sur un compromis entre des plantes qui structurent le sol et une fin pour l'alimentation des animaux. Michel Prieur, animalier. C'est Michel Prieur qui vous a répondu. Animalier comme vous. Voilà, et donc, on peut peut-être dire que l'enrubanage. Normalement, l'enrubanage est terminé. On ne veut plus en faire. L'année dernière, exceptionnellement, on en a fait pour nettoyer un sol, parce que l'année était s'y prêtait pas, mais à terme, on voudrait être autonome en foin et un peu de grain pour engraisser les animaux. Alors pour rebondir un petit peu là sur les, parce qu'on parle d'enrubanage et autres, là, donc
Les couverts qu'on élabore en interne à la com, donc je fais mon petit coup de pub, hein. c'est pas très bien. Mais bon. Dans les, ce qu'on a élaboré sur les couverts longue durée comme les couverts relais, c'est que ce soit des couverts consommables aussi par les troupeaux présents sur nos exploitations. Quoi. Et dans ce sens-là, l'an dernier, on a déjà eu des agriculteurs qui ont testé de l'enrubanage sur les couverts aliénor qu'on peut faire à la COP, là, donc avec des bases. Base légumineuse, crucifère et graminée. On en a un qui est base de maïs. Disons que l'enrubanage, ça sert à nettoyer le terrain. Et je ne sais pas quelle plante il faudrait mettre dedans pour pas que l'animal le mange. Mais pour nous, ce n'est pas une fin intéressante. Ce n'est pas toujours une fin intéressante. C'est surtout pour dépanner dans le contexte de l'exploitation en général, c'est tout. Oui, ben là, effectivement, c'était du dépannage. Hein. Mais... L'inconvénient de l'enrubanage, ou d'exporter pour l'alimentation animale, c'est qu'on a tendance, au printemps, à passer plusieurs fois. Et du coup, ça tasse les sols, hein, mine de rien. Les enrubaneuses combinées, c'est un poids énorme. Hein. On ramasse les bottes sont lourdes, le télescopique, il est lourd, on manœuvre. Là, mon idée, c'est qu'on abîme ce qu'on a créé avec les plantes. Hein. Donc, c'est l'enrubanage, d'accord, pour les couverts, mais vraiment, ça serait la roue de secours. Là, c'était le cas. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, on choisit des espèces consommables. Voilà. Au cas où il y a un coup dur, justement, et qu'il y ait des besoins en enfourragement sur l'exploitation. C'est du dépannage. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je crois que Gilles, tu as raison. Il faut être vigilant par rapport aux structures. C'est vrai, quand on passe avec des engins, des gros engins du type que tu cites, voire quand on fait vigilant aussi. Hein, bon, les gens passent au mois de septembre, début octobre, mais il ne faut pas aller peut-être beaucoup trop loin pour ne pas passer sur des sols trop humides. Essayer de faire des passages en conditions le plus ressuyées possible. Quoi, parce que c'est vrai qu'on risque d'abîmer avec un engin de 20, 30, 40 tonnes et plus. Il faut être vigilant. C'est pour ça qu'on veut arrêter l'enrubanage, parce que c'est un coût de l'UF très important, et puis la structure du sol derrière ne nous satisfait pas. Donc, comme on travaille en harmonie avec les cultures, normalement, on a fait le choix. La solution de facilité, l'enrubanage, c'est très bien pour nous. Pour distribuer l'hiver, c'est extra. Mais on a fait le choix de plutôt passer en foin pour que ça nous coûte moins cher et que ça laisse, le sol correct pour implanter quelque chose. Okay. Vos adhérents, là, l'équipe d'Océalia, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui ont semé des couverts avec les herses régénératrices de prairies, là? Les herses avec la trémitsue, des éclateurs de vent, ça travaille légèrement le sol, je ne sais pas trop ce que ça donne en sol travaillé, ça fait du bon boulot dans une prairie. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça? Est-ce que vous avez vu les résultats de ça? Alors, moi, j'ai des agriculteurs qui se sont équipés en Cuma de ce genre d'outils. En gros, en conditions sèches, on peut la laisser au placard. Hein. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et après, en conditions, on va dire, entrée d'automne, il y a des résultats plus ou moins probants, en fait. Mais c'est pas... Pour nous, aujourd'hui, ce que disait tout à l'heure Didier, vraiment, les réussites sont sur des itinéraires, on va dire, complets. Complet, c'est combiné de semis. Par exemple. Voilà. Fonctionne très bien aussi. Aujourd'hui, de toute façon, un couvert en bio, quel qu'il soit, que ce soit en production fermière ou en achat, une implantation, on part à minima, je dirais, entre 80 et 100 euros de l'hectare. Donc, si on le sait, mais dans l'optique de le louper, c'est quand même dommage qu'autant mettre toutes les chances de notre côté. Et puis faire une implantation réussie, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de la destruction par un troupeau d'ovins ou de génisses? Moi, je dis un petit peu de... pour avoir un petit peu baroudé là, dans deux ou trois bouts de champ liés au pâturage des troupeaux ovins. Donc, il y a notamment l'association Agrophile qui travaille dans Sanstad, dans le centre de la France, je ne sais pas si vous connaissez, qui met en lien, ils ont un coordinateur qui met en lien
les producteurs de céréales font une grande culture avec des bergers itinérants. Aujourd'hui, je pense que le pâturage par les ovins est assez intéressant, et y compris sur l'aération des sols et en termes de tassement, là, c'est plutôt modéré. Par contre, quand on fait de la bascule vers des troupeaux de bovins, ce que vous disiez un petit peu sur l'approche de l'enrubanage, on aurait tendance à s'en approcher, mis à part si on a la possibilité d'avoir des surfaces assez exponentielles pour générer un tassement assez moindre en lien avec le passage du troupeau, quoi. Voilà. Mais oui, si on a la possibilité de pâturer les couverts par des génisses, on va dire, ou des bovins, ouais, au contraire. Et on a des agris en bio et conventionnel à la COP qui, dans la Vienne, pardon, pratique ce genre de choses depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc chaque année, il y a des troupeaux d'animaux qui débarquent, on va dire, là, il y en a qui sont rendus déjà depuis un mois là, dans le sud de Vienne pour pâturer les couverts longue durée, quoi. De sol là pour pâturer déjà cette époque-ci. Comment? Et quoi comme sol actuellement là pour qu'il soit déjà prêt à être pâturé? C'est de l'argile au calcaire, c'est des sols. Argile au calcaire, argile au sableux. Ouais. Ouais. Bah, c'est vraiment des sols typiques du sud de Vienne, quoi. Pour compléter aussi sur tout à l'heure la question là sur le compost, nous toujours du fait des contraintes de sol, hein, le compost au printemps, par exemple avant une culture de printemps, très compliqué de venir apporter du compost. Donc voilà, on a vraiment des fenêtres assez courtes pour apporter le compost sur les cultures. C'est pour ça qu'on réfléchit aussi sur des couverts avant culture de printemps à base de légumineuses. On applique la traction animale. On a acheté des chevaux qui consomment qu'une botte de foin de temps en temps et un peu d'avoine. Et du coup, eh ben, on est largement en dessous des 90 litres hectares. Mais pourquoi 90 litres? Alors, pourquoi 90 litres, on pourrait mettre 100 litres. Hein, il faut bien mettre un chiffre. Hein. Non, mais il faut mettre un chiffre, non. Voilà, mais après... En fait, c'était quand on a commencé à un peu avec les ateliers de co-conception avec les agriculteurs, on avait fait un tour de table sur consommation moyenne, on va dire, des agriculteurs qui nous disaient plus, on était plus aux alentours de 100 litres. On s'est aussi basé sur nos consommations, nos consommations en litres par hectare, dans lesquelles aussi on était à 100 litres. Et donc, du coup, on a décidé de se fixer cet objectif de 90 litres qui était réalisable. Pas forcément voilà, appuyé hein, derrière par une bibliographie ou quoi que ce soit. Sachant que c'est difficile d'avoir des références parce que chaque ferme a une logique de travail du sol différente, des sols différents. Donc voilà, donc c'est très compliqué. On s'est surtout basé sur notre consommation actuelle et pour la revoir à la baisse. En sol de marais, peut-être pas beaucoup. En règle générale, oui, il y a des c'est connu hein, la consommation qu'on peut faire pour telle ou telle culture, hein, mais en sol des types de sols comme ça, et puis le facteur année doit jouer énormément. Le facteur année, le facteur outil, le facteur chauffeur, il y a tout qui joue dans. Pour donner une idée, là, cette année, on a fait les calculs. Alors, encore une fois, c'est à prendre avec grande précaution. Hein. Comme dit Gilles, c'est vraiment en fonction de l'outil, du chauffeur, enfin, de plein de paramètres. On est plutôt dans l'ordre de 110 litres hectares, dans les parcelles de marais. Hein, je dis. Par exemple, sur on a quelques parcelles en terre haute, on est plus sur du 60 litres hectares. Oui, voilà, c'est ça. Là, oui, parce que cette année, c'est une année exceptionnelle, pourrie, comme c'est pas bien. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est quand même pour donner le chiffre que voilà que le 82 litres, c'est déjà un chiffre sur lequel actuellement on n'y est pas en zone de marée. Voilà. En fait, ça fait partie de ce travail de système type qu'on dit. En fait, la base a été d'évaluer notre système actuel. Donc, dans l'évaluation, on a une consommation par hectare de 110 litres hectare en moyenne. Quel résultat on veut pour demain. Donc, du coup, on a décidé d'abaisser ce chiffre à 90 litres pour être ambitieux. L'objectif de rentrer dans une logique de résultat, c'est d'être plus ambitieux en fixant vraiment des chiffres très, très ciblés plutôt que de dire juste on diminue notre consommation.
Donc voilà, donc ça nous a poussé à fixer un chiffre et voilà l'objectif de 90 litres. Et ensuite, en concertant les agriculteurs nous ont dit que c'était un chiffre voilà, qui était dans, que eux atteignaient peut-être déjà, mais qui était déjà relativement bas et satisfaisant en zone de marée, encore une fois. Les consommations, vous étiez sur les consommations de carburant, c'est essentiellement lié donc aux différents passages de désherbage, c'est avec une et puis aussi aux préparations de sol, quoi. Je veux dire, peut-être si on limite la charrue, on va peut-être limiter aussi les consommations de carburant. Les outils rotatifs aussi, ça consomme aussi quand même un peu plus que les outils à dents ou à disque. Sans parler de chauffeurs, du tracteur, etc. Quoi. Mais bon, bien sûr, tout ça, ça et ça, c'est lié vraiment à l'exploitation. Et puis après, il y a les cultures, parce que les cultures, comme cette année, par exemple, des lentilles, du lin, ça consomme quasiment rien, quoi. Si vous allez sur des cultures, plus des cultures sarquées de printemps, comme du maïs, du tournesol, du soja, où là, c'est beaucoup plus énergivore, parce que ça va nécessiter effectivement beaucoup plus de passages de désherbage mécanique. Et donc, ça va consommer automatiquement beaucoup plus de carburant. Moi, je partage plus ou moins cette opinion parce qu'une charrue, une charrue qui est bien réglée avec un labour pas très profond, on consomme moins qu'un outil à dents. Hein. Et surtout un outil à dents qu'on veut aller, qu'on veut travailler un peu en profondeur, il y a des outils à dents, ça calme le tracteur. C'est un peu profond. Peut-être un labour que trois passages d'outils à dents. Hein. Oui, alors Gilles, quand on parle outil à dents, nous on parle scalper essentiellement, donc on parle de vraiment en surface. Ouais, on évite, c'est vrai que le déchômage, comme on l'entend souvent, c'est pratiquement aussi profond qu'un labour pour certains. Et là, effectivement, quand vous emmenez des engins de 3 à 4 mètres de large, il faut quand même des chevaux et là, il faut du gasoil à l'hectare, ça c'est sûr. Moi, j'entends plutôt scalpage, quoi. Donc, le scalpage, c'est quand même moins gourmand. En général, nous, les fausses mies qu'on a tendance à faire pendant la période estivale, on génère ça soit avec une herse à paille, donc peu consommatrice normalement en carburant, ou un outil à disque superficiel. Et ensuite, on vient détruire les fausses mies avec du scalpage superficiel, quoi. Donc, moi, ce que j'entends là-dessus, c'est souvent des... Quand les gars reconditionnent les outils à la ferme, ça va être des anciens châssis de cultivateurs avec un dégagement au sol assez important. Il y a des grosses dents, de vibromesh ou de ce type-là, avec des pas de doigts qui font maximum 20 à 30 de large, mais très très superficiel. Quoi. Vraiment des pas de doigts typés bineuses en fait. Quoi. Et avec des roues de jauge qui permettent vraiment de gérer le terrage et en complément un peigne à l'arrière du scalper pour retourner les systèmes racinaires pour éviter justement qu'ils repartent, qu'ils le racinent de nouveau et se réimplantent. Voilà. Je pense que on parlait des couverts aussi tout à l'heure. Je pense que les couverts aussi interculture, ils font le travail aussi de certains outils et je pense que ça peut aussi limiter les passages d'outils. Les couverts, tu l'as peut-être dit. Oui, c'est ce que disait Gilles. Limiteront le passage aussi des outils. Après 3 années de conversion, quel bilan sur la vie des sols et les conduites de culture? Là, vous ne voyez pas la tête d'Alexandre. Sur la vie des sols. Après 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez trouver dans une vie d'un sol où tout l'hiver on a eu de l'eau Beaucoup d'eau, il dit Gilles. Alors moi je vis derrière des sols qui gorgent d'eau tout l'hiver comme on a eu l'hiver derrière. La vie du sol en prend. Beaucoup d'eau. Sur la conduite des cultures, faut tout repasser en prairie. Hein. Voilà. La conclusion, c'est que. Sur la conduite des cultures, c'est que ce qu'on. Peut-être pas répondre sur les 3 années de conversion, je suis peut-être pas le mieux placé. Mais en tout cas, ce qu'on voit du changement climatique, c'est des conditions de plus en plus difficiles. Et c'est pour ça que quand Gilles misait sur la plante, c'est tout à fait vrai parce que de plus en plus, on a du mal à intervenir dans les bonnes fenêtres météo, c'est compliqué.
C'est très difficile, donc faut remiser sur la vie du sol, oui, mais en tout cas sur la vie racinaire en premier lieu. C'est vrai que la logique dans le marais, hein, c'est beaucoup voilà, le travailler sous-solé, travailler en profondeur. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que des plantes, hein, pour faire ce travail-là. Et plus on apprendra des plantes, la structure du sol s'améliorera. Et voilà, mais bon, aujourd'hui, c'est trop tôt pour statuer sur un bilan quelconque. Moi, le bilan que je retiens, c'est comme cette année, il y avait 80% de culture de printemps. Par rapport à des habitudes, je pense, du passé, avec 80% de culture d'hiver, la fleur est différente. La fleur adventice et culture de printemps, beaucoup de. Et l'alternance culture d'hiver, culture de printemps, voire même deux cultures de printemps pour casser le cycle de la fleur et de culture d'hiver. Et puis peut-être un travail à faire aussi sur des techniques d'implantation. Là, il y a un essai qui est mené en collaboration avec Isabelle Litricot sur un essai avec plantes cultivées et plantes compagnes, donc blé, plantes compagnes à la base, mais ça se dirige plutôt sur peut-être culture de printemps, plantes compagnes. Donc l'idée, c'est d'implanter un couvert permanent qui sera avec des plantes de service, compagnes du blé, dans lequel on va semer, voilà, une culture commerciale. Donc dans l'éventualité où une année comme l'année dernière on a du mal à implanter une culture d'automne, il y a déjà un couvert en place qui sera là pour concurrencer les adventices dans le cas où on n'arrive pas à implanter. Donc, il y a peut-être des choses, hein, c'est pour l'instant c'est un essai, c'est de la prospection, mais il y a peut-être des choses à faire aussi, voilà, sur les techniques culturales. Gilles en parlait tout à l'heure sur le couvert qu'on a implanté avec du trèfle. L'idée, c'est de laisser le trèfle et peut-être d'y implanter derrière une culture de printemps. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, le trèfle est là. Il y a une culture en place qui peut servir soit à l'alimentation azotée de la culture suivante, soit à de la nourriture pour les vaches s'il y a besoin. Enfin voilà. Je pense qu'il y a un travail à faire sur toutes ces techniques-là et aussi sur voilà, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, même si c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Un autre bilan positif, hein, c'est quand même sur les couverts végétaux, hein, qu'on a mis en place un couvert l'année dernière. Et finalement, c'est vrai que dans le marais, on nous dit souvent que c'est difficile d'inventer des couverts pour les dates de destruction, pour voilà. Et finalement, on se rend compte que ça peut marcher, alors sous certaines conditions, peut-être pas chaque année, mais en tout cas, ça marche et ça rend des services très intéressants. Pour les couverts aussi, il ne faut pas oublier l'effet drainant des couverts aussi, dans des sols un peu compliqués. Je pense que les couverts peuvent apporter aussi un effet drainant sur des sols comme les sols de marais, un peu argileux, enfin un peu beaucoup même. Bah, c'est d'accès, je pense qu'il y a des plantes comme les moutardes ou les radis peuvent amener de la macroporosité importante, la févrole même aussi. Ouais, c'est peut-être pas la seule explication, mais quand Gilles parlait tout à l'heure de conditions de sol totalement différentes entre du maïs et du tournesol, l'une des premières aussi explications, c'est le système racinaire, hein, qui est bien différent entre du tournesol, qui va avoir un système racinaire plus pivotant, donc qui favorise certainement l'infiltration, qui structure plus le sol, qu'une culture de maïs. Alors, c'est pas la seule explication, hein, il y a d'autres paramètres qui influencent. Mais c'est certain que ça a une différence, les systèmes racinaires. Donc, dans le choix des cultures, c'est aussi important. En zone de marais, c'est aussi important. Oui, bah, de toute façon, il le disait, Gilles Keder, derrière les maïs, ça avait du mal énormément à. Les sols ont du mal à se ressuyer. Je pense que c'est parce qu'il y a une teigne de racine qui est maintenue superficiellement et qui retient, je pense, l'humidité en surface au lieu de créer un effet de drainage. De toute façon, par rapport à la question, le bilan au bout de 3 ans, bon, je pense qu'on voit assez rapidement quand même des structures de sol qui s'améliorent. Bon, après, je pense qu'il faut, pour en voir tous les bénéfices, je pense qu'il faut pousser un petit peu plus loin. Par rapport à ça, nous, on a un phénomène qui est plutôt parlant, la coopérative, par rapport à cette gestion de la porosité des sols, là, notamment en TCS AB.
Pour la plupart de nos agriculteurs qui jouent le jeu sur l'implantation des couverts végétaux, sur les apports de compost, quand on n'a pas de fumier à disposition sur l'exploitation, on voit que notamment les tournesols chez ces gens traversent mieux les épisodes de stress hydrique, comme on a eu encore cet été, que nos collègues conventionnels à côté dans une approche labour ou chimie de synthèse et autres. Parce qu'on a cette porosité de surface, cette porosité artificielle qu'on génère par ce mulch de surface qu'on a généré avec nos couverts végétaux, en lien avec les apports de compost qui ont été faits soit à leur implantation ou au printemps avant destruction. Et souvent, ça se traduit par des rendements très corrects en bio, voire même quasiment supérieurs par rapport aux collègues conventionnels. Il y a quand même un autre avantage de 3 ans d'agriculture bio, c'est qu'on peut sortir les week-ends, on ne se fait pas taper dessus dans la cabine du tracteur, on n'a plus de pulvée. Bon. Aussi. C'est clair. Ok. Bien. Alors, à chaque fois que je tourne la vidéo, en général, vous posez une autre question. pour conclure, je remercierai quand même l'INRA pour avoir accepté d'ouvrir ses portes à cette journée du mois de la bio. On vous avait promis un intervenant, vous en avez eu 4, donc vous avez bien fait de venir. Merci à Océalia d'être intervenu aussi pour expliquer un peu le rôle croissant qu'a la coopérative dans l'agriculture biologique et puis voir un peu quel rôle vous pouvez jouer aussi en accompagnant les agriculteurs. J'espère qu'avec vos questions, vous avez aussi eu ce que vous attendiez de cette web conférence, même si c'est toujours un peu frustrant d'être derrière son ordinateur plutôt qu'en face des gens. Merci d'être venu et d'avoir aussi posé beaucoup de questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci aux intervenants et bonne fin de journée. Merci.